Bonsoir, vlog numéro 10. Je suis essoufflée parce que je viens de rentrer chez moi, dans mon appart. J'étais chez mes parents, je suis restée 3 jours au total parce que il fallait que j'aille voir un médecin et tout. Enfin bref, j'avais plein de trucs à régler. Tout ça pour dire que je viens d'arriver, on est lundi 18 janvier et il est genre 21h. J'ai super faim. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à manger, débarrasser mes courses, prendre une douche et après on va se caler, ne plus rien faire jusqu'à demain. En vrai, ce week-end, je voulais me rattraper tout mon retard, mais au final, je l'ai pas fait. Bref, sur ce, on y va. On va d'abord faire les courses. Allez, go. Bonsoir, on est mardi, il est 8h30. Que dire, je me suis réveillée à 7h45. J'ai pris mon petit déj, je me suis habillée. Il faudrait que je range un peu l'appart, mais bon. YOLO. Donc on va établir la liste de choses à faire aujourd'hui, heure par heure, et on va regarder les mails et tout ça, se tenir informé. Voici le premier café du jour. Bref, tout de suite. Ma liste de choses à faire est faite. En gros, aujourd'hui je vais faire beaucoup du E7 parce que là ils ont enchaîné l'UE7. Après je vais avancer sur l'UE8 aussi, j'aimerais faire deux chapitres. Un chapitre du 6, et si j'ai le temps, je ferai un chapitre du 5. Ce soir, je vais faire toutes mes cartes en qui sur les chapitres que j'ai fait déjà. Faut que je commence à faire mes cartes pour que je puisse apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, le planning du jour est assez chargé, mais je me suis levée tôt pour ça. Donc on y go. Je pense qu'on en a jusqu'à au moins minuit ce soir. Allons-y, c'est parti. À tout de suite. C'est que je vais me faire à manger et après manger je finirai le chapitre que j'ai commencé en physio et j'en ferai un deuxième parce que j'aime bien la physio, et en fin d'après-midi je ferai le 6 et si j'ai le temps avant de manger ce soir je ferai un autre chapitre du 7. À voir. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of why the cottage. Update, il est 15h48, j'ai fini le chapitre de physio que j'avais commencé et j'avais pas vu qu'il m'en restait autant en fait. Je pensais que j'avais vraiment bien avancé, mais au final non. J'ai dû reprendre plein de trucs qui n'étaient pas dans les diapos des profs et que j'ai pompé du René ou du tutorat. Du coup, j'ai dû refaire pas mal de trucs. Bref, sinon, ce chapitre est terminé. Là, on va faire une petite pause quand même parce que j'en ai un peu marre. Après, on va rattaquer et on va essayer de faire de l'UE6 pour la première fois. Il est 18h30, je sais pas si vous entendez la musique derrière, j'espère que non, sinon les droits d'auteur bref, donc il est 18h30, j'ai pas fini le 6, j'ai fait la moitié du chapitre mais il est vraiment méga long. Du coup je pense que je vais m'en arrêter là pour le 6 parce qu'en plus ça m'intéresse vraiment pas. Donc là on va faire le 8 avant de manger et après manger on fera les cartes. Voilà, allez go. Bonsoir les loulous, on est mercredi 20 janvier, il est 14h30. J'ai pas filmé ce matin parce qu'il y avait rien à filmer, c'est juste moi qui dormais vu que hier j'ai pris mes médocs, mais ça n'a pas marché, donc je vais pas essayer de m'endormir avant 4h du matin.
Donc ce matin, je me suis laissé le temps de dormir. Même si j'aurais peut-être pas dû. Là, je vais faire ma liste des choses à faire. On a beaucoup de cours et j'ai l'impression que les cours s'accumulent et qu'on n'a pas le temps de les voir. Moi, ça m'affole, en vrai. Je vais faire ma liste des choses à faire aujourd'hui. Je vais finir l'UE6, le chapitre du 8 que j'ai commencé hier. Je vais faire l'UE5 parce qu'ils ont remis deux nouveaux chapitres. Et voilà, et si j'ai le temps, je ferai un nouveau chapitre du E7. Ce soir, je vais me forcer à finir mes cartons qui, hier, je les ai déjà lancés, mais que j'y finisse. Et voilà, demain, on va commencer à prendre les cartons qui et vraiment se mettre dans le taf. Mon soir update, il est 17h. J'ai fini l'UE6. Donc voilà, je suis passée à l'UE8. Je fais l'automatisme cardiaque, c'est trop stylé, donc on voit le cœur et tout. Si j'ai le temps après, je voudrais bien faire l'UE5, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce soir, il faut vraiment que je commence à éditer le vlog parce que. Pas parce qu'il faut que je l'édite, je l'ai pas édité depuis le début. Depuis hier, donc ça va en fait, je vais filmer que mardi, jeudi, vendredi. Ça fera 4 jours de vlog. Normalement, c'est pas trop long, donc ça va. Bref, là, je suis en post-scope, mais après, j'y retourne. Du coup, je vous tiens informé de mes avancées. Ok. Aujourd'hui, je vais faire des chapitres d'anatomie et des chapitres de sciences humaines ou sociales. L'UE8, j'ai assez bien rattrapé pour l'instant, donc on va mettre ça de côté. Ainsi que l'UE3, on met de côté. Tant pis. Essayer de faire un chapitre du E6 aussi, si j'ai le temps. Voilà, c'est toujours le même problème, c'est que vu que j'ai pas le temps, bah, je le fais pas. Ok, bitch, on y va. Il est 19h et j'avais invité Bastien pour boire une bière avec moi. L'alcool c'est mal, mais bon, j'ai 18 ans, qui cala. Bref, on a bu une bière ensemble, on a papoté et ça me fait plaisir parce que en vrai, genre dans la résidence, je parle qu'à Bastien, donc c'est chaud. J'ai pas mal avancé, je vous montrerai mes fiches après. Il me reste littéralement 4 pages, donc je vais les faire maintenant. J'avais pas noté à cause de la bière. Bref, après je vais essayer de faire le ménage parce que c'est dégueulasse. Moi, je sais pas pourquoi il y a autant de saleté, genre. Et après, je me ferai à manger. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Je sais pas. Voilà, à peu près comment ça va. Après, je vais prendre ma douche. Et après, on fera les cartes en qui pour pouvoir apprendre. Parce que c'est bien beau de faire des fiches, mais si au final je n'apprends pas, ça ne sert à rien. On va pas se mytho. Donc voilà. Actuellement 2h du matin et je me suis forcée à finir mon chapitre parce que ça m'énerve de commencer les trucs et de pas le finir. Donc là, j'ai fini mon chapitre sur l'appareil digestif. Il était long, c'était un très très long PDF et il m'a pris toute l'après-midi, donc je suis contente de l'avoir fini. Je suis en train de regarder ma liste de choses à faire. Fucking god. Attendez, je vais vous montrer. J'espère que ça va pas rendre trop dégueu à l'image, mais bref, ça c'est les choses que j'ai faites. Et oui, il m'en reste encore beaucoup à faire.
envie de mourir. Je veux pas vous mytho, je suis éclatée, je vais aller dormir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et à demain, les petits loups. Allez, bonne nuit. Hola chicas, hola chicos, comment vous allez? Je suis en train de monter le vlog et il est bientôt fini. Cette vidéo va donc signer la fin du vlog puisque je rentre chez mes parents ce soir et je repars sur Santé demain. Donc, moi je fais un week-end d'un jour. Je vais essayer de boucler le vlog pour demain. Sachant que si je rentre chez mes parents, il n'y a pas de wifi quoi. Donc YOLO! Je vais voir ce que je fais. Bref, sinon, pour la semaine prochaine, je pense qu'on va changer de format de vlog. Vous verrez. Je vais me lancer un petit défi. Je sais pas si je vais le respecter pour l'instant, mais... Inch'Allah. J'aimerais bien faire un vlog où je me réveille tous les matins à 5h du mat. Je sais ce que vous vous dites, Lucille, c'est pas possible. Tu te lèves tous les matins à 13h. Du coup, tu te lèves même pas le matin, tu te lèves l'après-midi. Qu'est-ce que tu dis? Vous inquiétez pas. Ça va le faire. Moi j'y crois. Et au moins, ça me rétablira mon cycle de sommeil. Bref, tout ça pour dire que j'ai encore plein d'autres idées pour la prochaine vidéo. J'attends d'avoir la caméra pour voir si la qualité est meilleure. Et voilà. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Et travaillez bien. Ok? Allez. Bisous les loulous.